Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec l'ouverture de mon colis tant attendu des États-Unis. Je suis trop contente, je l'ai pas ouvert, j'ai juste enlevé les scotch. Donc voilà la bête. Je suis comme une gamine, je vous le cache pas. Donc voilà, c'est essentiellement du Prima. Ben, je crois qu'il n'y a que ça. Ou peut-être un ou deux trucs Tmall qui étaient en promo, mais je suis pas très sûre. Pour l'instant, alors pour celle pour le dédouanement, etc., pour l'instant, j'ai pas reçu de facture. Je ne sais pas si ça peut venir après ou ça vient en même temps. Honnêtement, je ne sais pas. Pour l'instant, j'ai rien. Donc je vous mettrai de toute façon sur Facebook si j'ai reçu une facture ou quoi que ce soit. Pour celles qui ont eu des frais de dédouanement sur certains colis, si vous pouviez me dire. Quand est-ce que vous avez reçu la facture, soit avant, soit après, enfin bon. Pour l'instant, bah, j'ai pas de nouvelles, et puis bah, tant mieux. Donc en fait, je vous mettrai le nom du site, l'adresse du site en commentaire, en page, oui, enfin en bas quoi. Donc c'est un nouveau site, moi je ne connaissais pas, ça s'appelle Photobella. J'ai trouvé que les prix pratiqués étaient plutôt avantageux, et en plus comme moi il y a eu un petit souci avec ma commande, ils ont mis beaucoup de temps avant de l'envoyer, je crois que ça a duré 10 bons jours. Donc en fait ils m'ont fait une remise sur ma prochaine commande de 50 $. 50 $. Moi j'ai jamais vu ça en France, enfin bon, bref. Donc j'ai pu repasser une petite commande, donc voilà. Et donc ça m'a en fait ça m'a remboursé mes frais de port. Et puis je crois qu'à partir de 100 $, ils vous font 15% de réduction de frais de port. Voilà, donc allez voir sur le site, je vous mettrai l'adresse dans les commentaires. Alors j'ouvre, attention, je vais peut-être avancer un petit chouïa à ma caméra. Attendez, hop. J'ai changé d'installation. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Voilà, ce sera plus simple pour moi. Alors, alors évidemment, c'est les nouvelles collections. Alors, ah mince, il y a un petit truc de cassé. Alors, pardon. Il y a une petite fiole comme ça, avec un rebord cassé. Je vais le notifier, on verra bien si j'ai quelque chose. Bon, ça n'empêche pas, les petits bouchons, tout ça, ça n'empêche pas, mais bon. Je pourrais m'en servir quand même, mais c'est dommage. Donc j'ai pris essentiellement les trois nouvelles collections. Donc celle-ci, c'est Tell You and Me. Alors là, c'est les die cuts. Voilà. Alors cette collection, elle a l'air superbe. Je regarde en plus en même temps que vous, ça a l'air top, top, top. J'adore. Très vintage, shabby. Super joli. Les couleurs sont super belles. Bon, pas déçu, sauf ce petit truc est cassé. Bon. Je crois que j'en avais commandé deux comme ça. J'espère que l'autre ne sera pas cassé. Non, l'autre n'est pas cassé. J'en avais commandé deux. J'aimais beaucoup. Le cœur est trop beau. Hein. Vraiment, ça a été le coup de cœur pour cette collection en priorité. Les deux autres me plaisaient aussi beaucoup. Mais celle-ci, ça a été un coup de cœur. Alors, j'aimerais bien le faire par collection. Si j'arrive. Oh là là, tout c'est super beau. Alors, là, ce sont les Brads. Toujours de la même collection. Oh, ils sont super jolis. Oh, les couleurs prunes, violines comme ça. C'est super chouette. Hop. Oh, les fleurs. Trop jolies. Super mignonne. Là, c'est de la même couleur. Oh là là, celles-ci, elles sont belles aussi. Oh, elles sont super jolies. Cet esprit froissé comme ça, c'est beau. Alors les prix, je peux pas vous les donner parce que si vous voulez, je vous les donnerai, mais là
Je vais pas chercher avec les références, tout ça. J'ai trop hâte de découvrir mon colis. Alors, ceux-ci, je les ai commandés par deux. Ben oui, on dirait. Ceux-ci, j'ai commandé deux paquets de celles-ci. Elles sont super jolies. Hop, j'essaie de trouver selon les collections. Alors, ça, c'est... Oh, c'est beau, ça aussi. Ça, ça ne doit pas être les collections. Je ne sais pas trop quelles collections, parce que les fleurs, je ne pas noter, en fait. Alors, j'ai des chipboards comme ça. Bon, il s'est ouvert à l'emballage. Franchement, c'était très serré, donc je comprends. Oh, ils sont trop beaux. Oh là là, elles sont chouettes. Regardez ça. Oh, j'adore. Oh, il y a un truc de décollé là. Sympa. Ils sont super jolis. Si vous voulez un détail, vous me le dites. Bon, je vais passer rapidement. Ils sont beaux. Vraiment, ils sont super chouettes. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore dans cette collection? Ah, deux petits papillons qui sont faits la malle. Ah oui, j'ai pris aussi les petites cartes comme ça, journaling. J'aime bien quand j'envoie des petits mots, des petits cadeaux, des trucs comme ça. Des fois, j'ai pas toujours le temps de faire une carte. Et du coup, j'aime bien utiliser ça. Je trouve ça sympa. Et puis, bien sûr, dans les albums aussi, ça peut être très sympa. Voilà, super chouette. C'est chouette. Peut-être que je vais plutôt vous faire la description. Ah, super. La description, la déco. Oh là là, celui-là. Je peux passer du coq à l'âne parce que là, je suis trop subjuguée. La description des papiers. Des vrais papiers. Enfin, des vrais papiers, des blocs. Ensuite, là, qu'est-ce que j'ai commandé ici? Alors. J'ai commandé, alors eux, ils proposaient en fait les feuilles de la collection par 12. Donc logiquement j'en ai deux de chaque. Et donc c'est bien la collection Tale of Enemy Collection. Les papiers, ils sont super beaux. En fait, ouais, ils vendent pas leur papier d'unité, mais ils les vendent par deux. Et en plus, je crois franchement que c'est pas cher. Attendez, parce que là, ça mérite peut-être de regarder la facture. Alors. Ah bah ben là, j'ai rien marqué. Non, c'est mon décompte, mais c'est pas. C'est ce que j'aime, c'est pas la facture. Non, là, je l'ai pas. Enfin, je vous remettrai en commentaire où je mettrai ici le prix. Franchement, c'était pas très cher. Oh, ils sont superbes. Oh, ils sont superbes. Oh là là, regardez ça. C'est super joli. Oh, la couleur est magnifique. Oh là là. Oh, c'est beau. Depuis Noël que je l'attends. C'est papa et maman m'avaient fait un petit chèque pour mon Noël. Je l'ai gardé. Un petit chèque, un bon petit chèque. Je l'ai gardé simplement pour m'acheter ces collections-là et je regrette pas. C'est super joli avec le... Oh, moi j'adore là, tout ce qui est signe postal comme ça, c'est super. C'est chouette. Les cartes comme ça. Ouais, franchement... celui-là il est beau aussi. Là pour faire une page magnifique, superbe. Hop. Donc ouais, c'est bien ça, je crois qu'il y en a 12. Hop. Je me permets de ranger petit à petit parce que sinon après c'est le bazar.
Voilà, pour mes papiers, mais j'ai pris en plusieurs formats. Alors ensuite, dans cette collection, j'ai pris aussi les petits embellissements bois comme ça. J'ai trouvé super joli. Petit bingo là, puis le papillon là, même la petite lettre, ça, bon, tout, j'aime tout. Voilà, ensuite j'ai pris la collection 6-6 comme ça, la même. Et je me rends compte en fait que j'aurais dû prendre aussi la... Je crois que sur mon autre commande, là où justement j'ai eu 50$, j'ai pris la 8-8. Et je pense que j'aurais dû prendre la A4 aussi. On verra bien si on a l'occasion, si j'ai l'occasion de recommander. Super joli. Bon, c'est les mêmes papiers que les grands, évidemment. Ah non, celle-ci ne me dit rien. Si, si. Et la nouveauté en fait, voilà, c'est ce que j'avais bien vu. Il y a, à la fin, il y a un abécédaire comme ça. Alors, c'est pas ce que j'utilise le plus, hein, honnêtement. Voilà, et puis des petits stickers comme ça, ils sont trop jolis. Ça, c'est plus ce qui m'a fait flancher. Et d'autres petites cartes comme ça. Vraiment, cette collection, elle est magnifique. J'adore. Hop. Je crois que pour celle-ci, ouais. Je crois que pour celle-ci, c'est bon. Encore un petit truc qui traînait. Voilà pour cette collection. Ensuite, j'ai pris la collection Vintage Emporium. Comme ça. Alors j'ai pris le bloc en 15-15 aussi. Parce que moi honnêtement, les blocs en 30-30, les feuilles, je les utilise en 30-30 un petit peu, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'utilise le plus. Et en plus, les blocs étaient vraiment beaucoup plus chers, ce qui est normal. Donc j'ai préféré prendre des 15-15, mais après réflexion, j'aurais pu aussi prendre les 4. Bon, enfin bon, bref. Pour les mini, les 15-15, c'est bien. Attention. Alors ça, c'est beaucoup plus vintage. Avec des couleurs orangées, roues, comme ça. Ils sont super beaux. Ils sont beaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. J'adore. Oh là là, celui-là aussi il est beau. Celui-ci. Celui-ci, il est super beau aussi. Journal comme ça, c'est très vintage hein. Pour celles qui aiment le vintage, franchement la collection est superbe. Un mini avec ça, ça va être génial. Et pareil, donc des petites étiquettes comme ça et les stickers. Trop beau celui-là, j'adore les oiseaux, les papillons, j'adore. Les fleurs et tout, j'adore, j'adore. Petite carte. Super beau. Super, super. Ah oui, puis alors c'est vraiment des cartes cartonnées, quoi. C'est pas la feuille. Ouais, c'est limite des chipboards. Un tout petit peu plus fin, mais plus épais que les feuilles. Alors, ensuite, j'ai commandé aussi les brads. Ils sont trop jolis. Hop. J'ai commandé. Ah là c'est pas. Ah super, elle n'est pas cassée celle-ci. Génial. J'ai commandé les petits die cut comme ça. Oh là là, la clé elle est super jolie. La clé avec une rose. Et des petites fioles, elles sont super sympas.
Voilà. Oui, je les ai commandés en deux fois. Non, cela c'est autre chose. C'est une autre collection. Hop. J'ai commandé ces fleurs-là. Trop belles. Celle-ci en est pris. Alors, je crois que celle-ci c'est avec l'autre collection. Mais je suis pas. Parce qu'en fait, j'ai pris un petit peu des quatre. Voilà. Qu'est-ce qui va avec ça? Donc ça, oui, bah évidemment, j'ai pris les grandes feuilles. Je ne vais pas vous refaire. C'est exactement les mêmes que les petites. Elles sont super jolies. Hop. Il me semble que j'ai pris des fleurs dans ce thème. J'ai pris ces fleurs-ci. Oh, elles sont belles. Celles-ci aussi. Les petits boutons. Très jolies aussi. Oh, celles-ci, elles sont super jolies aussi. Non, non, je ne suis pas folle des fleurs. Ah oui, alors celle-ci, c'est dans les autres. Je ne sais plus si elle est. Donc c'est pas grave, je vous montre quand même. Oh, elles sont trop belles celles-là. Alors ça, c'est avec avec cette collection-là, en fait. J'ai craqué sur celle-ci. Elles sont trop jolies. Avec le beau petit bijou là au milieu. Oh, je vais jamais pouvoir l'utiliser, ça c'est pas possible. Oh, j'aime bien. Alors c'est saumonné, c'est pas vieux rose, c'est saumonné vieilli. C'est magnifique, je sais pas si ça rend bien, c'est super beau. Alors celle-ci c'est avec la collection la Vintage, c'est sympa aussi, elles sont belles aussi. Et celle-ci, elles sont super jolies en dentelle aussi, c'est avec la Tale of You and Me. Ouais, je pense que c'est ça. Et du coup après on n'a pas les noms des. Ouais, on n'a pas les noms des commandes des collections. Enfin, ceci dit, ça peut se marier très bien aussi avec l'autre. Ensuite, j'ai celles-ci. Elles sont belles aussi, celles-ci. Elles sont super jolies. J'ai pris aussi dans cette collection, pareil, le petit bloc de journaling. On va quand même le regarder. Est-ce que j'ai mis mon cutter? Il va falloir trouver de la place pour ranger tout ça. C'est pas grave. Oh là là, super joli avec la petite plume là. Mince. Petit oiseau, il est super beau. Petite étiquette sympa aussi là. Oh, j'adore la petite feuille, le petit fauteuil là, l'ancienne. Oh, franchement, c'est une belle, c'est des très belles collections. Oh, les papillons, j'adore. Oh, c'est trop mignon ça aussi. Est beau celui-là aussi, la Love. Les oiseaux avec des notes de musique, sympa aussi. Franchement, très jolie collection. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris dans la même collection? Je crois que c'est tout pour cette collection-là. Ensuite, j'ai vu aussi la collection French Riviera, mais alors j'ai acheté un petit peu moins pour les deux dernières collections, parce qu'à un moment donné, il faut se raisonner aussi. Quoi. Donc, alors, pour la French Riviera, j'ai pris un petit bloc comme ça. Pendant toutes les, dans toutes les quatre collections, j'ai pris les mini, les 15-15.
Il a l'air très sympa aussi celui-là. J'ai rien du tout sur le thème de la marin et des vacances. Oh là là, c'est beau. Ah ouais, franchement. Ça va plaire à Sandrine Scrap, je pense, le thème marin. Très sympa, parce que j'aimerais bien faire un album pour un week-end que j'ai fait avec mon mari au mois de septembre, donc il va peut-être falloir que je m'y mette. Et, on a été en Bretagne et franchement, ça le ferait bien. Donc, ça, c'est les mêmes, là, des petites étiquettes avec des petites baigneuses à l'ancienne, super jolies. Les cartes maritimes. Celle-ci, elle est sympa aussi. Avec les cachets postaux. Oh là là, les fleurs aussi, là. Vieillies. Elles sont super jolies. Hein. Des vieilles anciennes photos. Des... Oh, un espèce vieux bois comme ça. Oh, super beau. Et donc, on retrouve l'abécédaire. Les petits stickers, oh super jolis. Franchement, ils sont sympas. Et les petites cartes. Ouais, franchement. Merde. Elle me plaît bien celle-ci aussi. Hop. J'ai pris. Alors, il ne faisait pas dans la collection. Vintage comme ça, il ne faisait pas les chipboards. Je ne sais pas pourquoi. Parce que croyez-moi, je les aurais pris. Donc j'ai pris les die-cut. Alors peut-être qu'ils sont pile pas. Ils l'ont peut-être pas référencé dans leur magasin. Enfin, bref. Donc j'ai pris les chipboards French Riviera aussi. Donc ils se sont ouverts aussi. Mais je pense que c'était quand même pas mal serré. Ouais. Parce que ça se décolle quand même. Bon, de toute façon, je les recolle toujours quand même. Mais c'est un peu dommage. Je crois que je vais leur faire un petit mail pour leur dire ça. Ouais, il y a pas mal de décollés. Attendez, je reviens. Désolée, on a été coupé par ma fille. Donc voilà, les petits chipboards. Ensuite, j'ai pris les die-cuts. Alors pareil, ceux-là, ils ne sont pas abîmés. Super, avec une petite encre marine et une étoile de mer. J'aime beaucoup l'idée des petites fioles en verre comme ça. C'est un peu risqué dans les colis. Mais honnêtement, je trouve ça super sympa avec des microbilles dedans. Ça peut super bien donner. Les die-cuts, elles sont super beaux aussi. Franchement, pour l'instant, zéro défaut. Alors ensuite, la dernière collection que j'ai pris, c'est la Salvage. Celle-ci. Alors, c'est pas... Je voulais quelque chose de gris, etc. Parce que j'ai une idée en tête d'album. Et je voulais pas trop noir. Et je voulais pas moderne. Et je trouvais que celle-ci, vraiment, elle fait un côté... comment dire? Enfin, pour moi, un côté moderne et en même temps vintage. Enfin, bref. Ça, je la trouvais très jolie aussi. Donc, alors... C'est peut-être un peu plus industriel, je ne sais pas. Oups. Ouais, alors ça en couverture peut être très sympa. Il est beau celui-ci aussi. Là, je n'étais pas hors champ. Les roses comme ça sont super belles. Et surtout, là, il y a une petite note dans leurs fleurs, etc. Vert d'eau, mint. Et je trouve que ça fait très sympa. Hop. J'en suis, oui. Oh, les petits anges, les petits... c'est pas des... Si, les petits anges, ils sont super jolis. Un tableau de je sais pas quoi. Périodique table of elements. Oh là là, super belle celle-ci. Alors, je crois que je vais me recommander... En ce moment, franchement, je suis un petit peu fada. Mais je crois que je vais me recommander les collections A4 parce que franchement, elles sont super belles. Si vous avez le budget, n'hésitez pas. Vraiment, elles sont belles.
En tout cas, moi, je ne suis pas déçue du tout. Ceci est super joli. Toujours pareil. Donc, on se retrouve avec un ABC. Et puis, les stickers. Oh, les stickers, ils sont trop beaux. Oh, les stickers qu'ils ont fait. Franchement, les trois collections, là, dans les quatre, c'est magnifique. Vraiment superbe. Juste... C'est superbe, franchement magnifique. Alors ensuite, donc cette collection, je me suis commandé des petites fleurs comme ça, vous voyez les verres d'eau là et puis le vieux rose. C'est vrai que ça se marie super bien. J'ai commandé les petits die cut aussi, toujours avec les petites fioles. Avec une fleur de lys, alors j'en ai commandé des fleurs de lys comme ça, je trouve que ça fait très sympa, bronze. Une petite clé super mignonne, n'a pas de dégâts non plus sur mes fioles, c'est cool. Des petits die cut comme ça. Alors dans cette collection, c'est pareil, il n'y avait pas les chipboards. Je ne sais pas pourquoi, en tout cas c'était pas toujours pareil, c'était peut-être pas référencé. Ensuite, j'ai pris les brases aussi, ils sont trop jolis. Joli. J'ai pris les petits éléments en bois parce que franchement la petite clé me plaisait bien. J'aimais bien les cœurs aussi. Together, je trouve super joli aussi. On les fait bois un petit peu moins. Le parchemin, ça peut être sympa aussi. Et je crois que c'est tout dans cette collection. Non, j'ai pris aussi le tampon. Le tampon, je le trouvais plutôt sympa. Un petit tampon de fond comme ça. Voilà. Et ensuite, j'ai pris des petites choses qui étaient en promo. Par contre, il me semble qu'il me manque des choses. Il faudra que je regarde ça de plus près. Donc, j'ai pris ça. Des petites serrures comme ça. Elles n'étaient pas très chères. Elles sont super sympas. Toujours prima. J'ai pris des petits pompons comme ça aussi. Très sympa aussi. Ils sont vraiment jolis. J'ai pris des petites poignées comme ça d'apothicaire. Enfin, moi j'appelle ça d'apothicaire. Bon, je ne sais pas si. Avec les petits attaches parisiennes pour les mettre. J'ai pris les petits boutons comme ça en métal. Pour faire une fermeture elle est là avec un élastique, je trouve que c'est plutôt sympa. J'ai pris ça aussi pour les albums. Alors tout ça c'était en promo, je ne sais plus, voilà, bien, mais c'était en promo. Et puis j'ai pris aussi ça, des petits mots comme ça, que je trouvais plutôt sympa. Beach Bay, ouais. Bon, ça c'est pareil, j'ai pas payé ça cher, c'était en promo, donc... Donc voilà, donc c'était, mais il me semble qu'il manque des choses, ou peut-être que j'avais enlevé des choses après, ou je sais plus, enfin bon bref. Donc c'était ma super commande que j'ai reçue, je suis ravie de l'avoir reçue, je suis ravie de vous la faire partager. Alors c'est vraiment pas du vantardisme, etc, c'est vraiment pour vous montrer les choses qu'il y a, peut-être que justement... Vous allez vous rendre compte des collections que vous allez aimer, puis d'autres peut-être pas. C'est en aucun cas vous dire regardez ce que j'ai acheté. Franchement, c'est pas du tout le but. Chacun voilà, fait ce qu'il veut, comme il veut. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour certainement des petites choses faites avec mes nouveaux produits. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.